vrai que c'est éminemment sympathique de voir le paysage qui se déroule sous mes yeux du balcon de mon ermitage dans l'Himalaya, de voir sur une maison de village bretonne, c'est quand même formidable. Même ce qu'on peut appeler la banalité du bien, c'est-à-dire que la plupart du temps, la plupart des 7 milliards d'êtres humains se comportent de manière décente les uns envers les autres, et à part quelques fous furieux, en gros, nous se sont tous allés vers un monde meilleur, ne serait-ce que de faire face au défi environnemental qui est le grand défi du 21e siècle. Donc, montrer un peu l'émerveillement, enfin, émerveiller en montrant la beauté de notre environnement, de la nature, et aussi la beauté des êtres, la beauté intérieure des êtres, qu'on a tous un potentiel extraordinaire de bonté. Alors ça peut se montrer à travers de portraits de grands maîtres, de grands sages, de maîtres spirituels, hommes ou femmes, mais aussi du regard innocent d'un enfant, du regard lumineux d'un vieillard ou d'une vieillarde. Donc redonner confiance dans la nature humaine. On prend des photos pour que les autres puissent partager un peu des moments extraordinaires que vous avez la chance de vivre. Moi, dans mon cas, à 50 ans dans l'Himalaya, je ne pourrais pas le faire deux fois, hein, à 72 ans. Et puis l'idée que finalement, la durée permet effectivement d'être là quand il y a quelque chose, une lumière magique, une personne extraordinaire.